dans les vestiaires de ce Contender 27 à Tourcoing avec Nasser Di Pellazzara qui va revenir avec nous sur sa guerre qu'il a livrée face à Jean Louer. Alors, une magnifique guerre qui t'a permis de gagner ce combat. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette prestation parce que c'était vraiment pas simple? Bah déjà, je tiens à remercier tout d'abord mon staff, avant tout, ma team, GSD ou la bonne école, pour venir sur ce combat où c'est comme tu dis. J'affronte Jean Louer, j'accepte le combat dimanche. Ça me laisse une semaine de préparation, même pas. On a bien étudié ces combats sur YouTube. Je savais que c'était un grand striker. Ma stratégie, ça a été de le ramener au sol. J'ai vu qu'il a bien travaillé son sol. Donc j'étais assez surpris. Je me suis dit, j'ai aucune autre possibilité, c'est de travailler ma boxe. Donc, grâce à Dieu, cette année, j'ai travaillé ma boxe à la bonne école. Donc, j'ai eu des petites sensations que je retrouvais à l'entraînement. J'ai travaillé mon sol que je travaille habituellement au GSDI. Donc voilà. Après, pour revenir sur ce combat, un guerrier en face de moi, je le félicite encore parce que 6 combats, revenir avec une défaite. Là, il encaisse une deuxième défaite. J'espère qu'il va l'encaisser et qu'il reviendra très bientôt sur le ring parce que c'est un très bon combattant et je le félicite. Je félicite aussi Parabellum, qui est une très très grande team sur Paris. Et voilà, comme je dis, pour venir, je remercie mon staff Karim Laidouni. Je remercie Polo. Je remercie ma famille, ma mère qui m'a soutenu pendant toute la semaine. Et tous ceux qui sont venus, mon quartier, les amis, la famille. Voilà, et merci à toi aussi d'avoir fait combattre. Et voilà, j'espère revenir bientôt sur un autre événement. En tout cas, je suis prêt, je pense que je l'ai prouvé. Et voilà, j'espère quand même laisser ma chance pour des petits combats, pourquoi pas des petits tournois. Et on verra. Bon, on espère te revoir parce que vraiment, ça a été vraiment une très très belle prestation. Et vraiment, tu le mérites. Et je tiens à faire une grosse dédicace à la bonne école. J'ai oublié mes deux teams qui m'ont formé depuis le début. Et jamais j'oublierai ce qu'ils ont fait pour moi. Voilà, deux magnifiques teams. Merci beaucoup. Et ben, merci à toi. Et puis écoute, bonne chance pour la suite. Merci. Et à très bientôt sur les surfaces. Merci. Merci à toi. Merci.